vous voyez, vous dites, je ne veux pas traiter avec les bandits, les Abassi. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ils m'ont jamais aimé. Ils ne m'ont jamais aimé, ils m'ont même jamais rien apporté. Ils m'ont jamais rien apporté. Je suis longuet, debout, 23 ans de carrière, c'est grâce au Bamleke. L'inquoi ne m'ont jamais aimé. Un bandem veut ma mort. Un bandem veut ma chute. Ne me saluez même plus en bandem, je vous ai déjà dit ça. Voilà pourquoi me saluez même en rouge, je ne réponds pas. Je n'ai rien accepté avec vous. J'ai dit que je meurs, mon cadavre va à l'ouest. Je ne veux voir aucun bandem à mon deuil. Aucun. Comme je vous dis là. Mais ça, c'est un mépris, ça. C'est vous qui m'avez appris à chanter. Hein? Vous ne me faites même pas travailler qu'il y a un mariage, on m'appelle, on dit voilà un million. Quand vous avez le mariage, vous m'appelez pour dire que tu es notre frère, on a 200 000. Hein? Toujours pour me rabaisser. Je paye les libératistes d'abord combien? Rien que le cachet des libératistes, les tenues, les coiffures. Je dis que chaque fois qu'un bandem ou un yabassi se marie, ou un quoi, il vient toujours me rabaisser, me dit que non, tu es notre frère. C'est vous qui nourrissez mes enfants. C'est vous qui rationnez sur moi. Ou toujours venir, quand un gars de l'Ouest m'appelle, s'il ne me donne pas un million, il me donne 800 000. Oui, c'est des gens capables. C'est des bâtisseurs. Wow, je te rappelle. C'est des bâtisseurs. Et vous voulez, tôt ou tard, ce pays va seulement appartenir à ces opérateurs économiques. Parce que c'est eux qui sont en train de construire le Cameroun. Si les Bamleke n'étaient pas entrés à Makepe Msoke, Makepe Msoke serait quoi? Si je n'ai pas entré à Nyala, Nyala serait quoi? La forêt. Si on laisse Nyala, on laisse Nyala au Bassa, ça serait tout la forêt. Oui. Si n'entre pas où c'est en bas de Mayo, il y a Ebolova. Il n'y a pas. Les boutiques à Ebolova, les qui ont les boutiques. Les qui ont les boutiques en bas de Mayo. Les qui ont les boutiques partout. Il n'y a pas si elle est derrière parce que les Bamleke ne sont pas là-bas. Oui. Parce que les Bamleke ne sont pas allés là-bas. Dès qu'ils s'entrent dans votre village, votre ville, tac, ça s'est développé comme un jeu. C'est des bâtisseurs, acceptons. Hein? Ne soyons pas jaloux, mon frère. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. C'est des bâtisseurs. Même le marécage devient tout de suite la ville. Les gens qui ont le courage, le vin et le. Donc vraiment, le monsieur Bandem qui a confisqué mon carton de whisky. Il s'appelle ces gens qui là-haut. C'est un ancien habitant de Lyon. Je ne le connais pas. Et je ne veux même pas le connaître. J'ai dit, je ne cherche aucun bandem. Je ne vous cherche pas. Je ne vous cherche, je ne veux même pas vous voir. Donc ne me saluez même plus en vous dire que c'est mon frère là-bas, c'est pas votre frère. N'écoutez même plus ma musique. Je vous interdis. Je vous interdis d'écouter ma musique. Je vous interdis.